Aucun rêve n'est trop grand et aucun rêveur n'est trop petit. Mon nom ? Turbo. Salut, je m'appelle Turbo. Mon rêve, devenir un champion de course. Oh, ça va, je sais. DreamWorks et 20th Century Fox ont choisi de raconter ma vie dans leur film d'animation familiale Turbo. Mon challenge ? Réussir à prendre de vitesse Planes de Disney, l'autre gros film d'animation des vacances. Pas évident quand les Français préfèrent les escargots dans leurs assiettes plutôt que sur grand écran. Alors, comment convaincre les parents d'emmener leurs enfants découvrir mes aventures ? J'ai défié un des pilotes préférés des Français, Sébastien Loeb, 9 fois champion du monde de rallye, qui a accepté de faire une course contre l'animal le plus lent du monde, moi. Ensemble, nous avons créé le Challenge Turbo, avec 2 courses. Une course entre 4 escargots sur un circuit sur mesure et une autre sur un vrai circuit automobile qui a vu s'affronter des journalistes et des influenceurs. Et nous avons tous été entraînés par Sébastien Loeb et son équipe pour gagner le Challenge Turbo. Le grand public a découvert notre aventure sur YouTube dans une vidéo aussi décalée que ce challenge. Et mon rêve est devenu réalité. Les images du Challenge Turbo ont été diffusées sur les plus grandes chaînes françaises. De nombreux sites et blogs ont relayé la course, comme Allociné, le portail référent du cinéma français. La vidéo a été regardée à 90% en moyenne par les internautes. Et grâce aux free médias en télé, plus de 6 millions de personnes ont entendu parler du Challenge Turbo. Et ça leur a donné envie d'en voir plus. Avec ses 2,3 millions d'entrées, Turbo a fini la course en tête, loin devant Planes et ses 1,5 million de spectateurs. Je me suis aussi hissé à la force de la coquille au 9e rang du box-office 2013 en France. Comme quoi, les Français, ils aiment vraiment les escargots.